Bonjour, donc je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler parfums. Vous me posez très souvent des questions sur les parfums que je porte. Alors j'ai l'occasion de vous en présenter parfois quelques-uns dans mes vidéos favoris. Mais il y a des parfums que je porte depuis des années, il y a des parfums que je ne porte plus mais que j'adore et qui, vous allez voir, font partie de ce top 5. Peut-être même des parfums dont je ne vous ai pas encore parlé ou alors il y a très longtemps en arrière. Alors je vais employer le mot parfum pendant toute la vidéo, mais bien sûr il y a des eaux de parfum, des eaux de toilette, il y a des colognes. Pour le point de vue générique, on va appeler ça des parfums. C'est une vidéo qui m'a été à 100% inspirée par Aurélie de la chaîne Cléa2612, qui est donc une personne que j'adore, je la suis depuis des années sur YouTube, et elle a fait une vidéo très complète sur son top 5 aussi. Top 5 ou top 3? Je me souviens plus. Et j'ai beaucoup aimé sa vidéo, je la trouve très douée pour décrire les odeurs. Donc moi je pense pas être aussi douée que ça, donc ça sera peut-être beaucoup plus pénible à regarder que sa vidéo. Mais je vous mettrai un lien vers la sienne dans la barre d'infos. Et si elle passe par ici, je lui fais une grosse bise. Elle m'a d'ailleurs inspirée peut-être de futurs achats, mais je vais vous en parler au fur et à mesure de la vidéo. Alors je fais un top 5 parce que je pourrais faire un top 10, mais pour moi ça n'aurait plus de sens. Vous allez peut-être me dire: ah mais t'as pas parlé de tel ou tel parfum. Oui, mais dites-vous que les parfums dont je ne parle pas, ils font peut-être partie d'un top 10, mais voilà, je voulais vraiment restreindre cette liste à 5. On va commencer par mon parfum coup de cœur, coup de foudre, vraiment celui sans lequel je ne me vois pas vivre, qui je pense me suivra pendant encore des années, et qui est mon parfum doudou, qui est celui qui me ressemble. Celui vers lequel je me tourne sans aucune hésitation, c'est l'eau de toilette à la fleur d'oranger de la marque Fragonard. Alors Fragonard, c'est une très jolie marque, une très jolie parfumerie française qui est née à Grasse, donc dans le sud de la France, et qui est toujours située à Grasse. Alors la petite histoire derrière ce parfum, c'est qu'en fait je suis allée en vacances à Antibes avec mon chéri il y a très longtemps, parce qu'on avait 18 ans. Oui, donc ça doit être en 2006 ou en 2007. Donc je porte ce parfum depuis ce moment-là. Donc on était allé en vacances à Antibes et puis on avait fait un petit périple dans le sud de la France. Alors on était parti en train, donc on s'était un peu baladé en train dans certaines villes, à Cannes, à Saint-Tropez, etc. Et on s'était rendu à Grasse et on a visité en fait l'usine Fragonard, sans savoir que j'allais acheter ce parfum-là, que j'allais m'en servir pendant presque 12 ans derrière. Voilà, on a vraiment visité l'usine pour visiter l'usine, pour voir les procédés de fabrication, etc. Moi, je sortais tout juste de la lecture du livre Le Parfum de Patrick Susskind, qui est d'un de mes romans préférés que je pourrais relire des dizaines de fois, et je pense que je serais surprise à chaque fois. J'étais déjà dans de bonnes dispositions, on va dire, pour apprécier cette visite. Donc j'ai vraiment adoré cette visite, et Quentin aussi d'ailleurs, on nous avait montré le procédé d'extraction des huiles essentielles, des eaux florales dans les plantes, etc. Et on est tombé sur le processus d'extraction de l'essence de fleur d'oranger. Donc c'est de là que vient le nom de ma chaîne YouTube, c'est de là que vient le nom de mon blog, le blog de Neroli. Le Neroli, c'est le nom de l'huile essentielle de fleur d'oranger. Et voilà, c'est un nom qui me suit depuis très longtemps parce que c'est, voilà, comme vous l'avez compris, la fleur d'oranger, c'est toute ma vie. Et donc on est tombé devant, alors ce sont des sortes de... on dirait des tableaux un peu avec de la cire, parce que la fleur d'oranger est très fragile, on peut pas la faire bouillir dans un alambic comme on peut le faire avec d'autres fleurs qui sont plus résistantes. Je crois que la rose par exemple... être extraite par ce procédé, et donc on est tombé devant des sortes de tableaux de fleurs d'oranger et j'ai été emballée par l'odeur. Alors j'aimais la fleur d'oranger depuis très longtemps, mais donc j'ai pu mettre le nez dans la grande citerne de ce parfum et je suis tombée amoureuse. Donc je l'ai acheté à la boutique d'usine, donc je vous dis en 2006-2007, je me souviens pas. Donc voilà, ce sont des flacons qui se présentent comme ça. Vous avez des flacons de 100 ml, des flacons de 200 ml, et vous pouvez ensuite acheter les recharges qui font 600 ml. Alors c'est le meilleur rapport qualité-prix en termes de parfum que je connaisse, puisque ce flacon de 600 ml, alors je crois que le prix a un petit peu augmenté avec les années, mais ça doit coûter quelque chose comme 50 €, et vous avez plus d'un demi-litre de parfum. 50 €, vous allez chez Sephora, je vous mets au défi de trouver plus de 100 ml de parfum, c'est quasi impossible. Donc voilà, en termes de rapport qualité-prix, c'est exceptionnel. Je suis contente parce que du coup ce parfum, il a une histoire pour moi, je l'ai découvert de cette façon-là, j'ai vu son procédé de fabrication, j'ai visité l'usine, etc. Et c'est un parfum dont je ne me lasse plus. Donc si vous êtes à Grasse, vous pouvez acheter bien sûr le parfum sur place. Il existe des points de vente de la marque Fragonard un petit peu partout en France. Je crois que ça se développe un peu sur Paris. Vous avez plusieurs boutiques dans le sud de la France, bien sûr, il y en a quelques-unes. Autour de chez moi, il n'y en a pas une seule. Donc moi, je passe commande sur le site de Fragonard depuis des années. Et voilà, c'est une très belle maison de parfumerie française qui fait ça bien, qui gonfle pas ses prix pour le plaisir, alors que franchement, leurs odeurs sont incroyables. Et si vous êtes intéressé par le parfum en général, je vous conseille de vous tourner vers cette marque. Alors parce que là je vous parle de la fleur d'oranger, mais ils ont des dizaines de références. Ils ont un parfum qui sent la verveine, ils ont un parfum qui sent la vanille, enfin ils ont vraiment beaucoup beaucoup. Alors ils ont des eaux de toilette sur ce même thème, donc avec un ingrédient principal. Ici c'est la fleur d'oranger, bien que ce parfum ne contienne pas que ça. Donc vous avez une eau de toilette au citron, une eau de toilette à la rose, vous avez pas mal de choses comme ça. Puis après vous avez des mélanges pour créer vraiment des créations de parfums par la marque Fragonard. Mon papa a porté pendant longtemps un parfum au vétiver, mais je ne sais plus s'il s'appelle vétiver ou s'il a un autre nom, qui est une merveille. Voilà, je vous conseille
cette marque les yeux fermés, et ce parfum c'est toute ma vie parce que c'est vraiment, c'est la fleur d'oranger parfaite selon moi. La tenue est quand même est vraiment très bonne, elle n'est pas excellente mais elle est très très bonne parce que ce parfum je le vaporise partout, hein, sur mes vêtements, mon écharpe, mes cheveux, j'en mets sur la peau, j'en mets partout. Quand je sors mes vêtements de mon placard, ça sent ce parfum alors que ça fait des années que je le porte, donc je pourrais y être habituée et ne plus le sentir. C'est une fleur d'oranger extrêmement douce avec une pointe de bergamote. C'est vraiment un parfum qui sent le bébé et c'est le parfum sur lequel on me fait le plus de compliments. Je l'adore, je ne pourrais pas m'en passer, j'en suis au moins, je sais pas, à ma 6ème, 7ème, 8ème recharge parce que vraiment je le porte non-stop. Et donc je lui suis un peu infidèle parce que parfois je porte d'autres choses mais je reviens inévitablement vers lui. Et voilà, je vous conseille vraiment les yeux fermés. Si vous aimez la fleur d'oranger, je pense que vous pouvez passer commande sur le site sans aucun risque, vous aimerez forcément ce parfum. C'est une fleur d'oranger qui est très douce, il n'y a pas du tout de notes ni puissantes, ni épicées, ni quoi que ce soit. C'est vraiment une fleur d'oranger bébé, avec une très bonne tenue et qui est assez unique parce que cette fleur d'oranger là, je ne l'ai jamais ressentie dans un autre parfum. Et voilà, j'ai pas d'action chez Fragona, on pourrait croire, hein, parce que franchement avec l'argent que je leur ai laissé, je pourrais en avoir, mais j'ai aucun intérêt à vous vendre ce parfum, vraiment c'est un délice. Donc voilà, lui c'est le numéro 1, et en numéro 2, je vais mettre le deuxième parfum que j'ai porté le plus depuis celui-ci, et je crois que je vous en ai jamais parlé, il s'agit de l'eau de toilette Light Blue de chez Dolce Gabbana. Alors ce parfum, je l'ai découvert au lycée, quand j'avais 15-16 ans en fait, j'avais très envie, je me souviens très bien de ce moment, j'avais très envie d'avoir une sorte d'identité olfactive. C'est un peu bizarre dit comme ça, mais ma mère par exemple a toujours porté Mitsuko de Guerlain, qui est un parfum qui est très puissant, qui est très reconnaissable, que je ne supporte d'ailleurs pas sentir sur quelqu'un d'autre tellement pour moi c'est le parfum de ma mère. Mon père porte beaucoup de parfums à base de vétiver aussi, pareil c'est une odeur quand je la sens, ça me fait tout de suite penser à lui, et j'avais très envie d'avoir une odeur qui me ressemble. A l'époque j'étais pas du tout au courant que la marque Fragona existait et que cette eau de toilette existait, donc je suis allée dans un grand magasin type Galerie Lafayette avec ma maman, donc je devais avoir comme je vous disais 15-16 ans, et je suis tombée sur ce parfum et j'ai eu un coup de foudre. Alors je suis assez surprise quand je le ressens aujourd'hui parce que c'est un parfum qui est extrêmement puissant, alors très puissant, c'est à dire que moi comme vous allez le voir mon référentiel c'est la fleur d'oranger, qui est une odeur très douce, voilà, c'est un parfum qu'on retrouve beaucoup dans les soins pour bébé par exemple, donc voilà, quand j'emploie le mot puissant, c'est vraiment comparé à la fleur d'oranger. Ce parfum, je l'ai porté pendant des années, comme je vous disais, je suis assez surprise parce que vraiment, même aujourd'hui, je pense pas que je me tournerai vers un parfum comme ça, c'est celui qui rappelle le plus de souvenirs à Quentin, parce que quand il m'a connue, c'est ce parfum-là que je portais, et j'ai arrêté de le porter. Je peux pas expliquer pourquoi, mais je me suis tournée vers, comme vous allez le voir à nouveau, beaucoup de parfums, la fleur d'oranger, qui est une odeur que j'adore. Je sais même pas si je serais capable de le reporter aujourd'hui parce que ça me fait penser à cette époque, c'est vraiment, c'est très bizarre dit comme ça, on dirait de l'autoflagellation, genre je m'autorise pas à le porter parce que ça va me rappeler une bonne époque, mais vraiment pour moi ça c'est une époque de ma vie, peut-être que je le reporterai à nouveau mais j'en suis même pas certaine. J'ai ce flacon qui est entamé comme vous voyez, l'eau de toilette un petit peu jaunie à l'intérieur, donc lui je suis même pas sûre qu'il soit encore tout à fait utilisable. Et puis je l'ai racheté récemment chez Sephora, vous pouvez trouver de plus en plus chez Sephora de grands parfums, enfin des parfums connus. Sous forme de petits flacons avec une bille au bout. Alors la contenance est ridicule, hein. Ça fait 8 ml, j'arrive pas à lire. Oui, ça fait 7,4 ml. Donc ça c'est vraiment quand vous voulez voyager tranquille, que vous voulez pas avoir un gros flacon, ou alors pour le mettre dans votre sac à main. Puis je sais pas pourquoi, je l'ai racheté comme ça en me disant ah bah je vais peut-être le reporter à nouveau vu que celui-ci a peut-être tourné, j'en suis pas certaine. En fait non, j'arrive pas à le reporter, c'est très bizarre. Alors je vais vous dire ce que moi je sens dans ce parfum à la base. Moi je le trouve très boisé. J'y vois une pointe de musc, je le trouve vraiment très boisé, avec des notes d'agrumes, mais vraiment au fond. Et c'est ce côté vraiment boisé pour moi qui prend le dessus. Et je vais vous lire la description sur le site de la marque, sachant que je ne l'ai pas lu avant, donc peut-être qu'on n'a aucun rapport entre ce que je dis et ce qu'ils racontent. Donc eux, ils mettent des notes de cèdre, ah bah je ne suis pas si loin, pomme verte, élégance florale de la jacinthe, alors ça j'aurais été incapable de le dire, du bambou, du jasmin. Bah, je l'aurais pas senti, mais il y a du jasmin et des roses blanches. Voilà, ils appellent ça un parfum méditerranéen qui rend hommage à l'irrésistible volupté du bassin méditerranéen, etc. C'est un parfum qui est très complexe. Je peux pas forcément vous dire que dans d'autres parfums je sens vraiment les notes une par une, mais celui-ci c'est assez difficile quand vous le sentez du premier coup de dire ah bah ça sent telle ou telle chose. Alors qu'avec certains parfums, moi je suis capable de dire ça sent la vanille, la pivoine, la rose, là. C'est un parfum qui est hyper complexe, mais alors que j'adore. Il a une tenue qui est incroyable. Donc voilà, c'est assez difficile de vous le décrire en vidéo, j'espère que ça vous aiguille, mais ça c'est vraiment le parfum souvenir que je place donc en numéro 2, parce que 1 et 2, ce sont les deux parfums que j'ai les plus portés dans ma vie.
On va passer aux trois autres. Tout d'abord une découverte, alors récente, ça doit faire 2-3 ans maintenant, l'eau de parfum Ika Jasmine de la marque Erin. Alors Erin, c'est la petite fille d'Estée Lauder qui a lancé une gamme de parfums qui est très étendue, très intéressante. Moi j'ai découvert la marque au corner Estée Lauder du magasin Globus à Genève, donc ils ont des conseillères qui sont adorables et je trouve toutes les fragrances extrêmement réussies. Je serais pas du tout capable de toutes les porter, il y en a vraiment qui me correspondent pas du tout, il y en a une qui sent la vanille, il y en a qui sont beaucoup plus fleuries, je me verrais pas du tout les porter, mais alors lui c'est une vraie réussite. Alors ma deuxième passion après la fleur d'oranger c'est le jasmin, voilà, alors quand vous avez un parfum avec les deux je suis aux anges, mais celui-ci je l'adore, donc c'est vraiment du jasmin pur, il n'y a pas de fleur d'oranger, en tout cas je crois pas. C'est un jasmin qui est hyper solaire, c'est pas un jasmin trop fleuri, trop entêtant, trop parfois un peu mamie, je trouve quand les parfums sont trop fleuris ça peut vite faire penser aux personnes âgées. C'est un jasmin qui est, voilà, qui est très très solaire, qui est lumineux, qui est hyper enveloppant, qui est très réconfortant, qui se suffit à lui-même. Vraiment, vous pouvez le porter seul. Moi, j'aime parfois l'associer avec un parfum, alors j'en profite pour vous dire que je ne vous recommande pas, qui est l'eau de Cologne Neroli de chez Annick Goutal, qui est décevante. Voilà, elle toute seule, elle n'a aucun intérêt, c'est vraiment de la fleur d'oranger pure, mais trop brute. Pas assez poussée, pas assez étudiée, c'est très plat comme fleur d'oranger. Donc je le porte pas seul et en fait la seule solution que j'ai trouvée c'est de le mélanger avec Ika Jasmine de chez Erin. Donc voilà, j'insiste bien, Ika Jasmine tout seul, aucun souci, Annick Goutal seul ça va pas, les deux ensemble forcément ça marche bien, mais Ika Jasmine fonctionne très très bien tout seul. Je vais vous dire du coup ce que la marque en dit. Alors au niveau de la composition c'est pas très compliqué, c'est des notes de jasmin sans bac, de jasmin d'Égypte, donc ils sont donc deux variétés de jasmin mais je peux pas vous dire la différence, et il y a un petit peu d'ambre aussi, c'est peut-être ce qui apporte un peu de profondeur. Et donc la marque dit Ika Jasmine reflète une sensibilité unique, c'est l'essence du chic décontracté représentant la femme moderne et féminine. C'est une fragrance qui évoque le style et la mode. Bon, j'aurais peut-être pas été capable de vous dire tout ça. Mais en effet, c'est une odeur qui est très chic mais qui pour autant fait pas dame. Moi j'ai beaucoup beaucoup de mal, pourtant j'ai 30 ans donc je pourrais porter des parfums entre guillemets de dame. Mais j'ai beaucoup de mal avec les odeurs trop poudrées, trop cossues, trop ambrées. Vraiment le parfum qu'on remarque à des kilomètres à la ronde, ça j'en suis tout à fait incapable. Ça me dérange pas du tout sur les autres, bien au contraire, j'adore les gens, comme vous disiez, qui ont une vraie signature olfactive, mais j'ai du mal avec les parfums qu'on n'oublie pas. Celui-ci, enfin, c'est péjoratif de dire qu'on l'oublie parce que c'est pas vrai, mais c'est une odeur qui est très 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 facile à porter. D'ailleurs, je vous ai pas dit si je l'ai porté en hiver ou en été. Moi, j'ai absolument pas de distinguo à faire entre tous ces parfums. Si j'en crois mes souvenirs, je crois que le Light Blue chez Dolce Gabbana, c'était essentiellement l'hiver. Et je portais en été Escale à Portofino de chez Dior. Pareil que je ne vous ai pas amené parce que ça fait pas forcément partie de mon top 5. Mais qui a un parfum délicieux, qui est une sorte de cologne un peu aux agrumes, qui est très fraîche, que je rachète depuis des années. Mais que j'ai pas voulu mettre dans ce top 5. Voilà, c'est comme ça. Je vous ai pas montré la boîte du Ika Jasmine. Voilà, ils ont de très très beaux packaging chez Erin. Alors c'est pas donné, hein. Là en plus ce sont mes parents qui m'ont offert ce flacon qui fait 100 ml. On est vraiment sur du parfum de luxe, c'est vraiment vraiment pas donné. Ensuite un parfum que j'ai découvert pareil il y a 2 ou 3 ans, c'est l'extrait de cologne Neroli Facici de la marque Roger et Gallet. Alors ce parfum c'est très rigolo parce que quand il est sorti vous avez été hyper nombreuses à me dire mais Marielle faut absolument que t'ailles le sentir, il va te plaire c'est sûr. Je me suis rendue dans une sorte de parapharmacie, je l'ai testé sur ma main, en 2 secondes j'étais à la caisse, j'étais partie l'acheter. Donc vous me connaissez vraiment très très bien. Alors Roger et Gallet c'est une marque que vous connaissez peut-être qui a un paquet d'années maintenant. Depuis 1600 ou 1862, bref, ça fait en tout cas plus d'un siècle que la marque existe. C'est une marque qui était un petit peu vieillotte, qui proposait, vous savez, les gros savons dans les boîtes en plastique qu'on trouve dans les bacs à côté de la caisse à la pharmacie. Pour moi, c'était voilà une marque qui manquait un petit peu de jeunesse. Et en fait, ils ont fait un très très beau pari, c'est qu'ils se sont associés à plusieurs nez, donc des personnes qui créent des parfums, qui pensent des fragrances pour des grandes marques. Donc il y a Fabrice Pellegrin qui a créé ce parfum là, puis plein d'autres personnes, et donc ils se sont associés à ces nez pour créer des senteurs uniques pour la marque. Alors ce sont des extraits de cologne, vous en avez plusieurs, Neroli Facici, Tubéreuse Edoni que j'ai d'ailleurs dans mes tiroirs qui sent la tubéreuse, qui est un vrai délice pourvu que vous aimiez cette fleur. Les autres je m'en souviens plus, il y en a peut-être une à la verveine, il y en a une au cassis, mais pas vraiment à la fleur de cassis, mais plus à la feuille de cassis, qui est très réussie aussi. Pour les avoir tous sentis, c'est une gamme que je trouve vraiment très complète et très réussie. Alors, Neroli Facici, moi j'ai eu un coup de foudre pour ce parfum, moins pour sa tenue, mais bon, c'est une cologne, donc c'est un tout petit peu décevant de ce côté-là. Je vais vous dire tout de suite ce que ça m'évoque. Alors, Neroli, bien sûr, il y a de la fleur d'oranger, et j'y trouve une note marine, un côté un peu salé,
un peu bord de mer qui vient donner un petit peu de... Je sais pas comment dire, mais un petit peu de cachet à la fleur d'oranger qui vient lui donner un côté un poil plus mature. Si vous avez peur des fleurs d'oranger qui sont trop connotées bébé, enfant, celle-ci pourrait vraiment vous plaire. Qu'est-ce qu'ils en disent? Pour créer cette fragrance, Fabrice Pellegrin, parfumeur français, a sélectionné de l'essence de neroli, de l'absolu de fleur d'oranger, de l'absolu d'immortel. Je vous avoue, je sais pas exactement ce que sent l'immortel. Et des essences précieuses distillées de cèdre, on le retrouve finalement dans pas mal de mes parfums, le cèdre, de petits grains, alors qu'il y a une essence que j'adore, c'est une sorte de fleur d'oranger un peu piquante, qui ajoute un peu de, oui, un peu de piquant au parfum. Il y a aussi des graines d'angélique et de vétiver. Voilà ce que je peux vous en dire, c'est un parfum qui est super réussi, qui laisse un sillage profond avec cette note de fleur d'oranger que je trouve très douce et extrêmement réconfortante. Et... ouais, j'y reviens, mais cette note un petit peu salée qui est très intrigante, que je trouve pas du tout... qui est pas du tout courante, j'ai pas du tout l'impression d'avoir senti ça dans d'autres parfums. Alors le prix, je ne m'en souviens plus, mais sachez que là j'ai un flacon de 100 ml. Moi j'avais acheté à la base un petit flacon de 50 ml qui reste du coup plus accessible si vous voulez vous lancer dans l'un de ces parfums sans y passer tout votre PEL. Voilà, ça peut être intéressant. Et le cinquième parfum dont je voulais vous parler, ça n'est pas un parfum. C'est un lait pour le corps que j'utilise comme parfum. Donc il s'agit du lait frais de chez Diptyque, qui est un produit qui est très 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 connu dans la marque. Quand on le voit dans un rayon, on peut se dire « Ouais, bon, Diptyque est une grande marque, une grande parfumerie française, a créé peut-être une gamme de soins pour le corps. » Alors ils ont une crème pour les mains, ils ont des savons, je crois qu'il y a aussi des soins visage, etc. Je pense que ça peut passer complètement inaperçu dans un corner ou dans une boutique Diptyque. Je ne sais plus comment je l'ai découvert. Je m'en souviens pas du tout parce que je connais assez mal la marque Diptyque, j'ai eu quelques bougies de chez eux, mais peut-être une ou deux, pas beaucoup plus. Mais alors, quel coup de cœur! C'est une odeur de fleur d'oranger qui est d'une douceur et d'un réconfort. Dans la composition sur le site, ils mettent juste de l'eau florale de fleur d'oranger, de l'huile d'amande douce, donc pour les vertus hydratantes de la crème, et de l'huile de macadamia pour les vertus nourrissantes, mais j'ai pas vraiment... d'autres informations. Alors je m'en sers comme parfum parce que pendant longtemps le seul produit qui sentait exactement ça chez Diptyque, c'était ce lait pour le corps. Bien sûr c'est un lait pour le corps et pas un parfum, donc la durée de vie est pas incroyable. Ça reste quand même un lait pour le corps qui est très parfumé. Moi je viens souvent en mettre sur tout mon décolleté, un petit peu mes avant-bras, mais on va dire qu'au bout de quelques heures l'odeur s'estompe. Le problème c'est que je peux pas en vaporiser sur mes cheveux, sur mes vêtements, sur mon écharpe, donc l'odeur tient forcément pas très très bien. Donc quelques temps après, Diptyque a sorti une eau de toilette qui s'appelle l'eau d'essence, que je n'ai actuellement pas en ma possession, mais je vous mettrai une photo juste ici. Une eau de toilette qui était vraiment vendue avec les mêmes caractéristiques que ce lait pour le corps en termes d'odeur. Donc là sur le site de la marque, ils décrivent l'eau d'essence. En disant qu'elle doit son originalité au principe même de sa création, c'est-à-dire réunir toutes les dimensions de l'oranger amer, ses branches, ses feuilles et ses fruits. Et c'est ce qui est vraiment intéressant dans cette eau de toilette et dans ce lait, c'est que vous retrouvez l'odeur de la fleur d'oranger, mais aussi l'odeur des feuilles de la fleur d'oranger, donc une odeur un petit peu plus verte. Et c'est un parfum que j'aime beaucoup. Le seul problème, c'est qu'on n'arrive jamais vraiment exactement à faire ressortir les mêmes notes dans un parfum que dans une crème. Vous l'avez peut-être déjà remarqué. Si vous avez un parfum que vous adorez, vous avez peut-être déjà acheté le lait pour le corps qui va avec, ou les sels pour le bain, ou que sais-je encore. L'odeur n'est jamais vraiment exactement la même. C'est difficile de faire ressortir le même parfum dans des produits qui n'ont pas la même galénique. Donc un lait pour le corps qui est à base d'eau, d'extrait de macadamia comme je viens de vous dire, et une eau de toilette qui aura de l'alcool, etc. C'est très difficile de faire ressortir exactement la même odeur. Donc en fait je suis un peu frustrée par ce parfum parce que je l'adore, en lait pour le corps c'est vraiment une odeur qui est idéale, et dans l'eau d'essence je retrouve pas exactement les mêmes notes que dans le lait, et en plus de ça je trouve que sa tenue est assez mauvaise. Donc je ne sais pas si c'est un parfum que je rachèterai, mais ça fait partie des parfums que j'ai adoré, et le lait pour le corps en tout cas lui je sais que je le rachèterai, mais ça n'est pas la méthode d'application la plus simple, et ça n'est pas non plus le produit qui va me permettre d'avoir un parfum qui va se déployer pendant toute la journée, qui va vivre sur mes vêtements, etc. Donc voilà, une très légère frustration pour ce cinquième parfum parmi mon top 5, mais je ne pouvais pas ne pas en parler parce que c'est vraiment une odeur que j'aime par-dessus tout. Donc voilà pour ce top 5, j'ai marqué dans une petite liste sur mon téléphone ceux dont je ne vous ai pas parlé mais que j'aime tout de même beaucoup. Je crois que j'avais mis, oui, donc l'Escala Portofino de chez Dior dont je vous ai parlé un peu plus tôt dans la vidéo. J'ai beaucoup aimé aussi Love Story Eau Sensuelle de chez Chloé, qui est peut-être pas un parfum que je rachèterais mais que j'avais porté avec beaucoup de plaisir. D'ailleurs je vous avais fait un article sur mon blog pour vous parler de ce parfum, je vous le mettrai sous la vidéo. Et dans mes prochains achats, eh ben, j'ai une commande Sephora qui va pas tarder à arriver. D'ailleurs je vais vous faire une vidéo haul une fois que je l'aurai reçue, parce que j'ai passé une commande chez Sephora et une chez Cult Beauty, et que ça fait très longtemps que je ne vous ai pas fait de vidéo haul. Donc j'ai acheté le parfum Gucci Bloom, je vous mets une photo juste ici. Et du coup pour pas prendre trop de risques, je l'ai pris dans ce fameux format roll-on de 7-8 ml pour le tester, voilà, pour voir ce que j'en pense. Alors c'est un parfum qui sent la tubéreuse, voilà, qui est une fleur que j'adore,
que je suis pas certaine de, comment dire, d'assumer entre guillemets, à porter sur moi. C'est vraiment un parfum que j'adore quand je le sens sur d'autres personnes, je suis pas certaine que ça me convienne, donc c'est pour ça que je l'ai acheté en petite version comme ça. Et c'est un parfum qui est assez particulier parce que d'après ce que j'avais compris, donc il sent la tubéreuse mais de A à Z, c'est à dire que dans un parfum on retrouve des notes de tête, des notes de cœur, des notes de fond. Alors je suis pas très au clair avec ces notes là parce que c'est assez difficile, je suis pas du tout professionnelle du parfum, mais en gros quand vous vaporisez un parfum sur votre peau, il va évoluer dans un certain sens, dans une certaine direction, vous avez des notes qui vont ressortir au moment où vous le sprayez. Des notes qui vont vraiment s'ancrer à votre peau, etc. Et bien ce parfum Gucci Bloom sent la tubéreuse en note de tête, en note de cœur, en note de fond et rien d'autre. Donc c'est voilà, c'est un parfum qui est assez particulier, mais j'aurai peut-être l'occasion de vous dire ce que j'en pense avec le recul. Et l'autre parfum dont j'ai très envie mais que je n'ai pas encore acheté, c'est le Aegea Blossom. Je sais absolument pas comment on prononce ce nom. Je vous mets la photo juste ici, c'est une eau de toilette de chez Erin, donc vraiment dans un flacon qui est très similaire à celui-ci, qui a été sorti récemment par la marque. Et alors les promesses sur le site, c'est genre balade au bord de la Méditerranée avec une brassée de fleurs d'oranger, donc ça a l'air de complètement correspondre. Mais vu le prix des eaux de toilette chez Erin, je voudrais vraiment le sentir en vrai d'abord. Donc voilà, il faut que je me rende en boutique pour le sentir de plus près. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Bien sûr je vous ai pas dit, mais comme tout le monde, j'ai porté Flower by Kenzo et Anaïs Anaïs de Cacharel quand j'étais ado. Voilà, je crois qu'on est toutes passées par ces étapes là. C'est des parfums que je voudrais plus du tout porter aujourd'hui, mais voilà, j'ai pas commencé à me parfumer à l'âge de 15 ans bien évidemment. Et j'ai aussi vidé des flacons entiers de... comment ça s'appelait, l'eau de toilette de chez Tartine et Chocolat dans un petit flacon bleu, ça s'appelait Petit Sambon ou quelque chose comme ça, et ça c'était quand j'étais petite, donc voilà, je me parfume depuis toute petite. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, partagez-moi en commentaire vos parfums favoris qui conviennent ou non à mes goûts, parce que ça m'intéresse de le savoir. Je vous embrasse et on se dit à très bientôt.